Joie indescriptible, casse de planche, c'est l'ambiance qui a prévalu au club de taekwondo La Source, associé les champions taekwondo INS ivoiriens et la double championne d'Europe, médaillée olympique, Marlène Arnois, qui espère contribuer au changement positif des jeunes sportifs. J'espère que ça va inciter d'autres personnes à se mobiliser et à partager. On va se lever et accueillir une invitée surprise. C'est une athlète au parcours atypique. Elle est médaillée olympique, championne du monde de taekwondo. Elle va nous rejoindre sur ce plateau, Marlène Arnois, qui est donc franco-canadienne. Marlène Arnois qui s'installe donc. Merci beaucoup, public. Médaille, Marlène, c'est beaucoup de médailles. Et en même temps, Marlène, c'est aussi cette dame qui fait le tour de plusieurs pays africains, qui donne donc dans l'humanitaire. Oui. Ouais, c'est le sens que je voulais donner. J'ai annoncé ma retraite sportive il y a quelques semaines et c'est le sens que je voulais donner en fait. J'avais envie de m'impliquer, j'ai reçu énormément d'encouragement tout au long de mon parcours sportif. Et j'ai envie de rendre, j'ai envie d'inspirer la jeunesse, j'ai envie d'encourager l'équipe ivoirienne de taekwondo et c'est les actions que j'ai envie de mener. Justement, parlons de l'équipe ivoirienne de taekwondo. Qu'est-ce que vous leur apportez exactement? En fait, je pense que l'échange est constructif, en fait. Et c'est dans le partage. Et chacun a des points forts, des points faibles. Eux, ils sont forts. Moi, je suis plus dans la tactique. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, je peux apporter une expertise et les aider à progresser jusqu'au plus haut niveau. La deuxième médaille olympique de l'histoire du pays. Mm-hmm. Ouais. Et on vous voit avec les athlètes de l'équipe nationale. Oui, on est à La Source, à Kumasi. Alors, Marlène est diplômée en sciences de la communication. Marlène est donc championne du monde. Marlène, c'est aussi du social. Et la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, mais quels sont les objectifs réels de Marlène? Est-ce qu'elle a pour ambition de faire plus tard de la politique? Ce sont des ambitions pécuniaires qu'elle poursuit? Ou c'est quoi l'objectif réel de cette dame? J'ai envie d'être heureuse. J'ai envie d'être heureuse et je suis issue d'un art martial. Et je pense que l'olympisme, c'est un ensemble de valeurs, de solidarité, de courage, de respect. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai envie d'incarner et c'est ce que j'ai envie de partager. Et c'est très bien. Nous, on partage cette valeur avec vous. Merci. Applaudissements pour Marlène. Marlène, je le souligne, elle n'est pas seule sur ce plateau. Elle est avec des champions. Bahirut qui est avec nous, qui va donc se positionner. Bahirut qui est donc championne d'Afrique et vice-championne du monde. On l'applaudit très fort. Double championne d'Afrique. Hein. Et puis Cissé Cheikh, champion d'Afrique, vice-champion du monde. Logo Pékin. Ma satisfaction, elle est grande. Elle est très grande. Je suis très heureux qu'un jour Marlène Arnois apparaît ici dans notre club. Par le biais de mes élèves, on fait connaissance et voilà tout ce qui suit. Et au-delà, elle rencontre des champions, elle découvre des champions. Et la pépinière des champions de Côte d'Ivoire, et elle s'investit carrément à les aider. Et je suis immensément content, je suis très heureux. À la rencontre des champions de taekwondo ivoiriens, on a décidé de mettre en place une fondation pour accompagner la jeunesse dans la réalisation de leurs rêves et de promouvoir les valeurs du sport, l'éducation et la culture. Et vraiment, on s'entoure, on essaie de... Et c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est vraiment... On a surtout envie, ça part vraiment de l'envie de valoriser le mérite sportif. D'accord. Et d'accompagner les jeunes et de leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. Donc, par exemple, là, ce dimanche, on va organiser à l'école La Source à Kumasi une remise de matériel et on va donner une aire de combat de taekwondo ainsi que tous les plastrons électroniques et tout le matériel de compétition de très très haut niveau aux champions qui s'y entraînent. Et c'est vraiment, on a donné aussi des livres à une bibliothèque sociale à Trècheville qui existe sous forme de bénévolat, c'est le Roman Room. On veut vraiment faire des actions ponctuelles et vraiment intervenir où quand on voit qu'il y a des gens qui incarnent, on voit des jeunes champions qui incarnent le courage, la discipline, le respect, qui s'entraînent, mais qui s'entraînent 5 heures par jour dans des conditions modestes. Tout à fait. Et qui s'entraînent dans l'ombre pour faire briller la Côte d'Ivoire au plus haut niveau en espérant décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Rio. Nous, Earth Angel, on a envie d'être là et de les accompagner et de leur donner vraiment les moyens pour qu'ils réalisent le rêve. Et le rêve d'une nation toute entière aux Jeux Olympiques parce que la médaille, elle est accessible. C'est très bien. Est-ce qu'il y aura des critères de sélection spécifiques? En
fait, on n'a pas forcément, mis en place des moyens de sélection spécifiques, mais l'éducation est très importante pour nous. D'accord. Donc, tous les sportifs doivent être à la fois étudiants. Et ensuite, on veut faire des actions également culturelles, sportives, et viser aussi s'ouvrir sur d'autres sports que le taekwondo. Bien évidemment. Et quand on voit une grande championne comme Marlène Arnois arriver dans ce club, je pense que cela va encore permettre à beaucoup de jeunes de prendre exemple. Déjà, ils avaient des champions. Des champions dans le club, et ils voient venir une championne vraiment de très haut niveau, voilà, hein. qui a combattu sur au niveau des championnats d'Europe, des championnats du monde et des Jeux olympiques, qui est médaille olympique d'ailleurs, et qui arrive dans le club, et ça va donner un peu de certaines vocations et ça va permettre à ces jeunes-là de s'inspirer de son exemple et de pouvoir progresser. Et c'est un exemple que la Fédération ivoirienne de taekwondo aussi donne par la venue de cette championne-là. Et je pense que les Bané, les Babuirut et les Cissé Cheikh Salah vont apprendre auprès de cette championne qui a quand même été une pratiquante de très très haut niveau. Elle est d'origine québécoise, et française d'origine québécoise. Et je vous jure que ceux qui l'ont vu combattre comme moi, c'est une pas la peine de jouer. Je prédis une médaille olympique aux Jeux de Rio. C'est un honneur d'être à leur côté et de les accompagner dans l'aventure olympique. On est un point. Est-ce que c'est possible? À la dernière seconde, Marlène Arnois a quitté son casque. La première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Je crois pas. Oh, putain. Cheikh, c'est un grand moment pour vous, pour toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous ressentez là? Jusqu'à présent, j'arrive pas à y croire. Il faut croire en ce qu'on veut. Donc voilà la médaille champion olympique que j'ai jamais vue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je l'ai fait. Je crois pas jusqu'au moment où je serai sur le podium. Maintenant, je crois pas.